Ben, je suis le maréchal, le professeur Joël Crasso de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à cette date du vendredi 24 juillet 2014. Pratiquement, il est pratiquement 16h. 16h, jeudi. Ah, jeudi. Jeudi 24 juillet 2014. Nous sommes à Zito. À Zito, un quartier de Yopougon. Nous sommes juste sur un site d'un frère qui vit en Europe, précisément en Italie. Eh bien, je dirai pas le nom, mais qui a investi. Parce que ça, c'est de comment que nous menons d'ailleurs pour permettre aux gens de la diaspora de venir investir en Afrique. Et c'est ça, c'est important, parce que l'Europe, c'est vrai que l'Europe, mais je suis chez eux ici en Afrique. Donc, il y a eu des petits bobos dans l'avancement, le projet de réalisation de certaines choses au niveau de la construction qu'il est en train de faire. D'abord, il a sollicité mon aide, parce qu'il y avait son petit frère. D'abord, il y a sa sœur. Il y a sa soeur, sa petite soeur qui suivait les travaux, qui est morte. Elle est morte de quoi? Insuffisance rénale. Elle est morte d'insuffisance rénale parce qu'elle avait été engagée. Et lui, comme ton nom, c'est Daniel. Voilà, Daniel. Daniel, c'est lui qui suit les travaux, qui a été frappé d'une maladie. Et il s'est retrouvé dans notre centre de prière. Et c'est là que Dieu a fait beaucoup de choses dans sa vie. Daniel, tu peux rendre un petit témoignage? Oui, ben, j'étais gravement malade et mon grand frère, par le miracle de Dieu, a vu Papa Crasso sur le net. Et m'a appelé un jour comme ça où je ne m'attendais pas pour dire: ah, mon petit, arrête les travaux et demain je t'envoie l'argent, tu te diras, dis-moi, il y a un prophète là-bas ici, parce que tu donnes son numéro. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez le papa. Et grâce à lui, je suis en vie, que vraiment, dans mon corps, ça va. Merci. Ça va. Ça va. Voilà. Donc, nous sommes venus là pour concrétiser certaines choses. Ça, c'est la première séance. Nous allons neutraliser tout pouvoir satanique implanté là. La deuxième séance, par la grâce de Dieu, c'est une question d'affaires à suivre. Donc, voici pratiquement le chantier. C'est le bâtiment. Oui, tout ça. Juste pour vous là-bas. C'est le sable. C'est ça. Aujourd'hui, ils ont monté ça. Nous demandons si vous avez de l'argent, venez investir en Afrique. Ça, c'est important. Voilà. Vous pouvez nous faire confiance aussi en matière d'aide spirituelle. Parce que le prophète est un guide spirituel. Nous pouvons vous aider afin de pouvoir réaliser vos projets en Afrique. Voilà, parce qu'il faut préparer le retour. Ça, c'est important. Voilà, voici un peu. Ah ben c'est un grand projet là, c'est bien. Moi, nous sommes au Fili. Voilà. Ah, ça vous va? D'accord. Ce matin, il a fait ça. Il a monté ça, c'est ça? Oui, il a monté ça. Ça. Là, voilà, c'est tout de quoi. Bon, viens. Ben, nous allons prier. Mets-toi là. Nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Et nous reconnaissons ta suprématie et ton pouvoir. Nous savons que tu règnes sur toutes choses. Cette terre a été créée par toi. Donc tu es le maître du ciel et de la terre. Ce soir que tu pourrais dire après ta résurrection, Jésus, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Et tout ce que vous liez sera délié. Lié plutôt, tout ce que vous déliez sera délié. C'est en ton nom, Seigneur notre Dieu, que je veux poser un acte prophétique, lui, notre Dieu, sur ce chantier. Afin que tout ce qui est pouvoir mystique, tout ce qui est pouvoir satanique, la sorcellerie, qui empêche certainement les avancées de la construction, de réalisation de ce projet, est neutralisé par la puissance qui est dans ton nom. Parce que la Bible déclare que l'onction brise le joug. Et je détruis tout ce qui a été implanté. Je détruis le pouvoir satanique, démoniaque, au nom de Jésus-Christ. Par rapport à tous ceux qui sont dessus, au devant de ce projet.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la vie de ces personnes. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la Seigneurie de Christ. Et que désormais, tous ceux qui vont vouloir, n'est-ce pas, se lever contre ce projet, rencontrent ta main. Oui, la Bible déclare que tous ceux qui s'attacheront à ta parole, leurs ennemis seront toi tes ennemis. Que les ennemis de cette maison, de ce frère, de ce bien-aimé deviennent tes ennemis. Je vais te rendre toute la gloire. Merci pour la grâce que tu réponds aussi, Daniel. Merci. Venons en contact avec le bien-aimé humain. Je libère sa vie. Merci. D'ouvrir encore les grandes portes de bénédiction et de bénir encore ce chantier par la puissance qui est dans ton nom, Seigneur notre Dieu. Merci pour la manifestation de ton pouvoir et de ton règne. Merci, notre Dieu. Au travers de cette action, que tous ceux qui vont vouloir s'élever maintenant, désormais, pour pouvoir nuire à la vie de quelqu'un dans cette famille, parce que cette personne entend de réaliser ce projet, et au travers de cette action, que la vie de cette personne finisse comme ça. Parce que ce serait le retour à l'amour. Le retour à l'envoyeur. C'est la puissance de Dieu. Je proclame la chute de tous les démons. Je proclame la chute des ennemis de cette personne. Oh là là, c'est dur. C'est quoi, il dit? C'est ici. C'est à cause des enfants. C'est pas à cause des enfants. Voilà. Je proclame la chute des ennemis. Je proclame la chute des ennemis. Je proclame la chute. Je proclame la seigneurie et la puissance de Dieu. Que le règne de Dieu vienne. Merci, notre Dieu, de te manifester. Yeshua, El Mashiach. Jésus, tu règnes. Merci, prends le devant de tout. Et j'ouvre les portes qui étaient fermées. Et merci de donner les moyens pour achever. Oui, au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Shalom. Amen.